Yo la team, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur ma chaîne Harry Potter et la Chambre des Secrets. Le jeu qui était sorti en 2002 sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC, Game Boy Color, développé par EA Games. Donc sans plus attendre les amis, on va commencer une nouvelle partie. Allez, c'est parti! Un petit temps de chargement. Bienvenue au terrier, Harry. Merci. J'étais morte d'inquiétude, les lits vides, mais je... pas le moindre mot, la voiture disparue. Mais maman... J'aurais pu avoir un accident, folle d'inquiétude. Vous en fichez, je jamais vu ça. Mais maman... Maintenant, vous allez immédiatement dégnommer le jardin. J'en ai plus qu'assez de vous tous. Je ne dis pas ça pour toi, Harry, tu n'y es pour rien. Alors, prêt pour une partie de dégnommage, Harry? Je ne sais pas, Ron, je suis resté longtemps chez les Dursley. Je dois manquer d'entraînement. Ouais. Allez, c'est parti les amis. On commence la deuxième année à Poudlard de Harry Potter. Je vous avais fait le Harry Potter à l'école de sortie il y a quelques mois. Et j'ai décidé de continuer. Glyphendo. Donc, Glyphendo sur le fond vert. Wow, fantastique, Harry. Oh. Quand tu auras appris des sortilèges de deuxième année, tu feras teinter la cloche. Ok, bah, tu pas sais, tout Harry, suite. Tu peux lancer un flipendo sur tout un tas de choses dans le terrier. Juste pour voir, t'auras peut-être des surprises. Allez, on va les suivre. Regarde, ils sont sur les poutres. Vise ces sales bêtes et lance un flipendo pour les faire tomber. Ok. Flipendo. Il y en a un qui a pas voulu venir. Tac. Regarde-moi. Flipendo. Ah, l'autre, il veut pas bouger, lui. Hein. Ah bah tiens, c'est con. Flipendo. Non, Ah bah là il est plus protégé. Flipendo. Ah là on l'a eu. Pas mal du tout Harry. Tu as fait peur aux sales petites bêtes. Allez, on va aller par là. Harry, je te présente notre magistrat avec vous. Hein? Papa a essayé de lui jeter un sortilège. Il aurait mieux fait de l'acheter tout court. C'est l'occasion rêvée de s'entraîner au duel. Au duel? Tourne autour d'elle et lance un flipendo quand la porte est ouverte. Okay. T'en fais pas, elle mord pas. Enfin, pas trop. Flipendo. Essaye de pas se faire toucher, les amis. Lance un flipendo quand la porte s'ouvre. Flipendo. Attention. J'ai pas fait toucher encore. Ça s'approche de moi. Flipendo. Flipendo. Alors on l'a encore touché. On va attendre qu'elle ouvre la porte. Flipendo. Après c'est KO. Allez KO. Devant une machine pareille. On dirait que tu as besoin d'un choco-grenouille. Tiens. Mais il faut assommer la grenouille pour pouvoir l'attraper. Bon, allons chasser le gnome.
Allez, on va chercher le gnome. Il faut qu'on se dépêche de dégnommer le jardin. Si maman en trouve un seul, elle sera folle de rage. Là-bas, regardez, il y en a un. Il faut leur lancer des flipendo jusqu'à ce qu'ils soient complètement déboussolés. Waouh, il faut que j'essaie ça. Après, tu les attrapes et tu les fais tourner. Oh, 125 quand même. Et tu les lances hors du jardin. Bien joué, Fred. Il est parti en orbite. On va essayer de faire la même chose. Flipendo. Tu battras jamais mon record. On va voir ça. Oh, 80. Génial. Pas mal. Flipendo. On va essayer de faire approcher un petit peu. Merde. On tire un peu trop loin. Il a mal à la tête. Presque. Bon lancer, Harry. Il est où le gnome là? Il y en a un là. On va essayer de jeter là. Ah non. Eh, il a pas voulu jeter là. Pas réussi à le battre. Voilà, lui. Ah, il a tout donné. On n'a pas battu son corps encore. Dans la cible, magnifique. Avec une carte de sorcier et sorcier célèbre. Génial! Une carte des sorcières et sorcier célèbre. Je vais les collectionner. Ok. D'accord, il en reste un à faire voler. Il est où le gnome? Ah, on l'a laissé choper. Bon lancer, Harry. Bah tant pis, on l'a pas battu, c'est pas grave. Il est tard, les garçons. Au lit. Journée très chargée. Le chemin de traverse, la voie 9¾. Pour quelqu'un qui n'avait jamais dégnommé un jardin, tu t'en sors bien, Harry. Presque aussi bien que Gilles de Roy Lockhart. Merci, Madame Wesley. Allez, on va finir la journée. On appuie sur Select. Finir la journée. Le mercredi, Madame Wesley les réveilla de bonne heure. Elle prit un pot de fleurs vide sur la cheminée. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminette. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminette. Et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de cendres. Chemin de traverse. Il eut l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Temps de chargement insupportable.
Ça ne ressemble pas au chemin de traverse. On se retrouve à l'allée des embrumes, là. Ok. Désolé, hein, sur l'écran de droite, y a des reflets noirs, mais bon, c'est pas très grave, c'est à cause de l'émulateur, en fait. Mais bon, ça ne vous empêche pas de jouer, hein. Lucius et Drago Malfoy. Ne touche à rien. Ah, Monsieur Bargeot. Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir. Oh, la tête de schnock qu'il a. Le ministère de la magie multiplie les perquisitions et j'ai, disons, quelques objets qui pourraient me causer des désagréments. Objets que vous souhaiteriez vendre? Exactement. Je vous attends demain au manoir pour les prendre. Au revoir. Au revoir, Monsieur Malfoy. On va aller récupérer le livre du sort Lumos, le sortilège de lumière. Oula, on va y aller discrètement pour ne pas se faire repérer par la main. Oula, j'ai été trop vite. Allez, on récupère le livre. C'est bon, on a le livre. Waouh, le sortilège Lumos. Ça m'aidera peut-être à trouver la sortie. Voilà. Tac. Et tac. Maintenant, on peut se barrer. Lumos! Où ça nous emmène? Ah non, pas eux. Oh, des corrigans. Il serait mieux d'être prudent. On va s'en occuper, les amis. Et à moi. Viens dans la forêt. Deux. On a un éclat. Oh, je me suis touché là. C'est bon, ils sont KO. Du coup, on va s'en occuper. On va voir si on est obligé de mettre tout. Ils sont où? Ils sont là. J'étais dedans. Ah merde, elle a pas de. Ah bah non, bah c'est bloqué. Mais où le mettre? Bah y'a un bug là. On va attendre qu'il revienne. Hein. Voilà, on va attendre qu'ils redescendent. En attendant, lui, on va le mettre à l'air. Il doit y avoir un endroit où mettre cette chose. Bah, il suffit de moi. Il est où le. Bon, lui, il est là. Faut bien viser. Voilà. Voilà, on n'a pas besoin de mettre l'autre. On va aller chercher le Miyamibu.
dans cette direction. Génial, un Miami Boo. Edwige. On va lui donner à manger. Tiens. Génial. Merci Edwige. Maintenant on va pouvoir monter les amis. C'est pas tombé. Lumos. Ça serait con de tomber. On a failli tomber par contre. On va essayer d'aider de la caméra pour passer. Bingo, on est passé. Lumos. Oh là, on a failli tomber. Oh là, la chance. On va passer par là. On va allonger. Allez, des embrumes. La porte, on va retourner là-haut après. Donc la porte est ouverte. Allez, des embrouilles. Alors, on arrive au chemin de traverse. Voilà, on va rencontrer Ginny et sa mère. Harry, on espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. J'étais très inquiète. Qu'y a-t-il, Ginny? Ça n'a pas l'air d'aller. Ça n'a pas bien marché. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je pourrais peut-être aller les récupérer. C'est très gentil de ta part, Harry, mais je crois que tu devrais d'abord faire tes achats. Où dois-tu aller? Chez Fleury et Bott pour un exemplaire du livre des sorts et enchantements, niveau 2. Et chez l'apothicaire pour une nouvelle fiole de potions. Eh bien, allons tous chez Fleury et Bott. Ceci te sera utile. Elle est tombée dans la cheminée quand tu as pris la poudre de cheminette. Une mornille d'argent. Ah, de l'argent. Ça me fait plaisir. Merci, Madame Wesley. Viens, Harry. Allons chez Fleury et Bott. Ok, on y va. Ah, j'aime bien faire ça à l'époque. Ça gueulait. Alors on va chez Fleury et Bott. Alors, on va aller chercher le livre du sort niveau 2. J'en voudrais un, s'il vous plaît. Et
voilà pour toi. Ce livre te permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre, rien que pour toi. Concentre la puissance dans ta baguette et lance ton sort quand il est prêt. Mais prends garde à ne pas trop concentrer ton sortilège, car ça peut être dangereux. Merci beaucoup. Ok, tac. On a le livre du sort niveau 2. On va pouvoir lancer des sorts beaucoup plus puissants maintenant. Tu as ton livre ? Oui, Madame Wesley. J'ai hâte d'essayer ce que je viens d'apprendre. Où as-tu perdu tes affaires, Ginny ? Je crois que j'ai laissé tomber ma balance lorsque je suis passée par la cheminée de la ménagerie magique. Je suis sûre que ma nouvelle plume est tombée au fond de chez Pirouette et Badin. Et j'ai vu Hagrid quand j'ai perdu mon ruban adhésif. Donc il doit être quelque part au chaudron baveur. La ménagerie magique, Pirouette et Badin et le chaudron baveur. Bien compris. Merci beaucoup de ton aide, Harry. C'est si gentil de ta part de faire cela pour Ginny. Mais de rien. Oui, Harry. Merci beaucoup. Allez, vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Je parie que tu peux détruire ces tonneaux. On va voir ça tout de suite. Tu vas aller voir chez Pirouette et Badin, Harry. Effectivement, on peut dégommer les machins. Une mornille d'argent. On va d'abord aller à la ménagerie magique pour récupérer la balance. Fermez la clé. C'est pas là, là, c'est le magasin de Quidditch. C'est ici. D'après Ginny, sa balance se trouve quelque part dans le coin. Ok. Ça a l'air de faire peur ici. Alors on y va. Tranquillement, mais sûrement. Tu m'as entendu, petit ? Nous sommes fermés. Franchement, les jeunes d'aujourd'hui... T'as un problème, papy, hein ? Si j'y vais doucement, je devrais pouvoir passer sans qu'il me voie. On va essayer de le distraire avec un sortilège. Faire repérer. C'est bon, c'est même pas fait voir. Impeccable. La balance de Ginny. On a récupéré la balance de Ginny. On va pouvoir ressortir maintenant. Me cherche. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. On va essayer. On va jeter un sortilège. Et comme c'est un ivoirien, il m'a même pas vu, vous voyez. Inutile de te cacher, je te trouverai. Ça sert à rien, je m'en vais. Allez, premier objet récupéré. Au suivant. On va descendre. Aller par là. C'est Pirouette et Badin.
Et on terminera par le chaudron baveur. On croyait t'avoir perdu pour de bon, Harry. Mais non, je suis toujours vivant, t'inquiète pas. Pirouette et Badin, la boutique de farce et arpa. Il faut que je trouve la cheminée dans laquelle j'ai mis la barre de sa plume. Magnifique. Nintendo parfait. Merci bien. Alors, normalement, là, on a des pièces. Nintendo. Déjà on en a 4. Ça fait 4 chez moi. La plume de Ginny. La plume de Ginny. Nintendo. Pièce. Deux pièces. Nintendo. Tac, il en manque 2. On va la récupérer au chaudron baveur. Au revoir. Alors, au suivant, on va récupérer la pièce ici. Nintendo. Voilà, ça en fera 8, ça en fera 7. Une mornille d'argent. Le chaudron baveur, pour finir. Ginny a dit que je devrais retrouver son ruban adhésif ici. Nintendo. Nintendo. Voilà. Ah. Évidemment, on est tombé dans un piège. On la récupérera au retour. Ah non, encore eux. On va les esquiver, on n'est pas obligé de les battre. Oh la vache. Il faut être rapide, il faut être rapide. Et voilà. Ça par contre, je m'en rappelais plus. Non, je suis tombé. Ça c'est très chiant quand on tombe. Ok. Tu montes là ? Voilà. Là on est bien là. On va pousser ça pour passer de l'autre côté. Voilà, nickel. Lumos. Du coup, on arrive au dernier objet de Ginny, le ruban. C'est bon, on a tout. On peut aller la rejoindre pour lui redonner ses affaires, récupérer la pièce qu'on a oubliée, et voilà.
On a 8 mornings. Ok, un petit bug, mais bon, c'est pas grave. On va lui redonner ses affaires. Te voilà, Harry. J'ai retrouvé toutes tes affaires, Ginny. Oh, Harry, tu es vraiment le meilleur. Oh, n'en parlons plus. Tu es un si gentil garçon, Harry. Tu mérites une carte des sorcières et sorciers célèbres. Ah, merci, fallait pas. Merci, Madame Wesley. Gilles de Roy Lockhart dédicace son dernier livre chez Fleury et Bott. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux nous accompagner, Harry? D'accord, merci. Allez, allons-y. Allez, on va voir Fleury et Bott, on va aller voir Gilles de Roy Lockhart. Que vois-je, serait-ce? Mais si, c'est Harry Potter! Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal de vous faire part d'une nouvelle extraordinaire. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de la rentrée de septembre, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal au collège Poudlard. Et ça doit te faire plaisir, Potter, le célèbre Harry Potter! Drago Malfoy. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute! Alors, Potter, t'as une petite copine? J'imagine que tes parents n'auront rien à manger pendant un mois après avoir acheté les livres qu'il te faut. Tiens, jeune fille, prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Laisse-moi te donner quelques conseils, Harry. La célébrité est une amie peu fidèle, et je ne peux que t'encourager à ne pas jouer avec le feu. Ne te montre pas trop en public au début, et fais bien attention à tes fréquentations. Harry! Il parle tout seul. On se retrouve dans la cour du chaudron babeur. Ok, je vais chercher la fiole de potion à l'apothicaire. On a 8 mornings, c'est nickel. Alors, la mission... Enfin, la fiole. Génial. De potion Wittenfeld. Rien de tel pour la santé. Elle est dans le grand chaudron là-bas. Merci et beaucoup. Voilà, c'est fait. Nickel. On peut sortir.
Je devrais aller retrouver Ron dans la cour du chaudron baveur. Ok, mais on verra ça la prochaine fois, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu de la suite des aventures de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Salut !